vous saluer encore à tous les différents abonnés et bienvenue encore sur cette nouvelle édition. Et à titre de rappel, pour celui qui veut mettre les organes, pardon, moi je ne fais que moi que les tenues, moi que du patin. Donc celui qui veut mettre les organes, pardon, qui passe comme un tacible. Ma préoccupation pour lui, là, moi je ne sais pas. Donc je ne sais pas, ou bien c'est normal ou bien je ne sais pas. Donc c'est la question que moi je me pose, que moi j'observe. Hein? Et je me demande au niveau de nos commissariats là. Je dis bien au niveau de nos commissariats là. Je demande si la légalisation des documents c'est gratuit ou c'est payant. Parce que c'est la question que moi je me pose. Hein? Est-ce qu'au niveau de nos commissariats là, est-ce que les documents à légaliser c'est payant ou gratuit? En ce moment, je ne comprends pas. Du fait, le fait que même quand tu viens avec soit pour certifier justement la qualité, tu as déjà mis un thème, mais tu arrives encore là, on te demande d'accord comme monsieur. Ah, si tu veux rester là, attends, le commissaire n'est pas là. Tu viens, vous voulez même, soit si tu as même vendu même ton petit lopin de terrain, ou bien soit même ta moto, vous faites un certificat de vente, tu arrives là, on te demande que les deux parties vont donner 5 000. D'autant plus que tu as certifié, tu as déjà rempli, tu as fait 1000 ton thème. On te demande encore que les deux parties vont donner 5 000 pour qu'on s'étable le tampon là. Mais attendez un peu, moi je ne comprends pas. Au finish alors, le timbre alors, comme il pose là, ça sert donc à la fois. Et même la tante qu'on donne encore là, ça parle de telle question. La fête, c'est moi, ça m'a déjà gagné. Hein. Jusqu'à tu peux arriver au commissariat pour le garder un document. Si tu ne monnaies pas, si tu ne donnes pas de l'argent, non, on ne te regarde pas. Ou bien soit, je ne sais pas, tu peux déposer, tu vas tourner jusqu'à. Donc c'est une préoccupation. Moi je ne sais pas si les garder un document au niveau des commissariats, si c'est gratuit ou si c'est payant. Donc je ne sais pas. Les timbres qu'on pose là, ça sert donc à quoi? Ça sert donc à quoi? Donc, pourquoi on pose justement cette signature là? D'autres, alors tu débarques là avec le document en question. Quelqu'un il regarde que le chiffre ou bien que ce soit les accords qu'on s'est appelé avec soit le vendeur ou l'acheteur. Il dit, mais le prix qui est en train de voir, lui, il veut même, il se trouve qu'il va à tout prix qu'on va lui donner aussi quelque chose aussi dans ce deal. Moi, je ne comprends plus. Donc, moi-même, c'est une préoccupation, moi-même, qui me. Puis là, ça me taraude de l'esprit. Ça me taraude de l'esprit. Il faudrait qu'on essaie un peu de défier les Camerounais. Moi, je ne sais pas, ou bien c'est une forme d'arnaque. Au niveau de ça, comme ça. Ou bien, moi, je ne sais pas. Parce que l'autre papa de la sécurité nationale, il faut mieux nous expliquer. Ou bien soit la légalisation des documents au niveau des commissariats, c'est gratuit ou c'est payant. Si c'est de la façon officielle que c'est payant, on doit s'arrimer. Si c'est de façon officieuse seulement, et que depuis ça, ils font sans inquiétude, pour moi, je ne sais pas. Sans que personne ne les inquiète. Parce que tu arrives là avec un document, tu peux dégager, on te dit, mais monsieur, c'est ce que tu ne veux pas, tu ne veux pas t'arriver, monsieur, soit avec ton, soit avec votre document, mais attendez un peu. Le timbre qu'on a mis là, ça c'est donc là, quoi. C'est franchement un problème comme un culminant, hein. C'est un fait qui se passe dans nos commissariats. Donc je suis là, ce sont que les tolis, en fait. Donc moi, je parle de ce que moi, j'y ai déjà vécu. Donc ce sont que des tolis, en fait. Donc pour celui qui va mettre les organes là, son point, et ce n'est pas que c'est tout que des vérités. Tout que des vérités. Donc il faut que monsieur, le papa de la sécurité nationale, essaie de revoir ce problème-là. Il faut essayer de revoir ce problème-là. Il y a bon nombre de Camerounais qui en souffrent. Parce que tu ne dois pas, ou bien que tu as ta chose que tu veux vendre, tu fais un certificat de vente. Tu mets un timbre, tu prends la peine de mettre un timbre là qui est de façon normale. Et tu arrives là comme ça, où l'endroit indiqué. On te demande en quoi que soit, il faut en contrepartie quelque chose avant qu'on tape le tampon en attendant un peu. Là, le monde, là, ça va à l'envers. Il faut essayer de revoir ce problème-là. Je sais, alors, portez-vous bien.